Voilà, on est avec Alain Goutal dans son atelier qui va nous présenter le nouvel album qui vient de sortir il y a 15 jours. Eh oui, 15 jours. Ouais. Et il faut que je dise quelque chose par rapport à ça, c'est terrible. Hein. Jusqu'ici tout va bien. Non, c'est l'album qui est directement issu de mon blog politiquement incorrect. Hein, mais c'est un prolongement papier en fait. Voilà, c'est pour garder le contact avec le livre qui me paraît être indispensable pour nous autres citoyens de base et humains, pas encore complètement désincarné sur le virtuel du web, même si le web c'est génial quoi. C'est génial pour plein de choses, mais ça reste qu'un outil, il ne faut pas tout mélanger. Et alors justement, ce blog là dont on parle est suivi, puisque vous publiez régulièrement des dessins, je crois, et le public est vraiment dans l'attente. Quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, effectivement, c'est un blog... C'est un blog qui a 5000 visiteurs par mois, donc il est bien suivi, hein. Ça veut dire à peu près entre 150 et 200 visiteurs jour, et je l'alimente au jour le jour, voire tous les deux jours en fait, c'est assez fréquent, en fonction de ce que l'actualité me suggère. Il faut dire qu'elle est généreuse en ce moment, l'actualité, depuis un bon moment d'ailleurs, hein. Moi ça fait 40 ans que je fais du dessin de presse, donc ça fait 40 ans qu'elle est très généreuse, mais je pense qu'elle était généreuse avant et qu'elle le sera après aussi. Enfin voilà, je me régale, et puis visiblement ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que j'ai une réactivité immédiate de la part des lecteurs, puisqu'on peut établir le contact et puis qu'on peut discuter, on peut même me donner des idées parfois. Ça arrive que j'exploite des idées qu'on me suggère, c'est rigolo comme tout. Et là, dans le dernier album que vous venez juste là de publier, vous avez peut-être un dessin préféré quand même parmi tous. Oh non, j'en ai plein. Plein. Mais si je devais en choisir un, si je devais en choisir un, lequel choisirais-je ? Lequel et pourquoi ? Lequel et pourquoi ? Ben, je vais en choisir un alors. Je vais choisir celui-là, tiens. Je ne sais pas si tu vois bien. Si. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Parce que, en fait, c'est pour moi un dessin qui est extrêmement symbolique de la société dans laquelle on est en train de vivre. C'est-à-dire que la vie publique, la vie politique, a été totalement confisquée par les lobbies. Tous les lobbies, celui-ci est représentatif du lobby de l'agro-business, c'est-à-dire de ceux qui nous polluent la planète allègrement, pas forcément qu'en France, hein, partout. Hein. C'est un système environnemental et économique qui va dans le mur, qui est déjà dans le mur, mais qui continue allègrement et qui appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire sur les politiques qui ne se sont pas émancipées de cette influence néfaste. Donc voilà, celui-ci me plaît beaucoup. Il a son pendant aussi, à la limite. Il a son pendant. Il y a celui-là qui dit à peu près la même chose. Voilà, c'est un dessin qui était passé juste avant Noël où on nous prédisait la fin du monde. La fin du monde pour avant le 24 décembre. Et en fait, j'ai pensé qu'il n'y avait pas besoin d'attendre une prévision Maya pour montrer la fin du monde, que certains groupes de pression s'en occupaient allègrement aussi. Voilà. Mais justement, on va publier ce dessin et puis deux ou trois autres aussi sur le site internet génial. De l'Écho. Comme ça, nos lecteurs pourront vraiment le voir en grand format. Voilà. Merci Alain. Je t'en prie.